fait que ça soit divisé en deux parties, avec d'un côté un travail plus interactif et plus participatif des élèves, et de l'autre une visite guidée plus historique et avec plus de moins de participation et plus de connaissances reçues. Donc j'ai trouvé que l'équilibre entre les deux était une bonne chose pour les élèves. Toujours un peu déçue que De Gaulle soit vu quand même très rapidement en cours, et donc du coup là ça permet de revenir quand même sur son parcours, sur le début de la 5e République, donc c'est une bonne chose de remettre une petite couche pour les élèves, c'est très bien. Ouais. Oui, il a permis de voir beaucoup de choses qu'on ne voyait pas du tout dans l'établissement scolaire, et de plus se rendre compte de la vie de De Gaulle avec les monuments, etc., qu'on ne connaissait pas du tout. Et du coup, ça permet de découvrir beaucoup de lieux de mémoire différents. C'est beaucoup plus complexe, entre guillemets, que ce qu'on voit à l'école, qu'il y a beaucoup de choses derrière et que c'est une grande histoire qui devrait être racontée. Parce que c'est un peu atypique, on ne voit pas vraiment ça dans un bureau. Normalement, un bureau, c'est assez simple. C'est quoi? C'est une table, une chaise et quelques armoires pour ranger. Et on voit des éléments qui ne sont pas trop... qu'on trouve pas vraiment dans un bureau, et du coup ça m'a plu un peu, et il y avait une petite histoire avec, du coup c'était intéressant. J'ai pu apprendre beaucoup de choses par rapport à De Gaulle, ses points un peu privés, mais surtout tout ce qui est par rapport à sa carrière politique et sa vie en général. J'ai pu voir son bureau avec tous les éléments qui y paraissaient, avec tous les cadeaux qu'on a pu lui faire. Ça va du globe terrestre à une partie d'un blindage d'un vaisseau allemand, et c'était vraiment intéressant, plein de choses qui m'ont plu, et je le recommande.